en français, mais c'est terrible, c'est triste que je parle comme ça. Donc, je parle anglais. C'est un peu. Dans le dialogue un peu sérieux, je suis là, comme ça. Donc, en anglais. When I did this film, it was about 3 years ago, and I was there when they wanted to shoot it as a short film. So we knew that we were just going to cry. Donc quand j'ai fait ce film, c'est il y a 3 ans. À l'époque, il s'agissait seulement d'un court métrage, et tout ce que je savais, c'est qu'il allait falloir pleurer. Even we didn't ask that. What are we going to do? We just went there and we cried and we came out. On n'a rien demandé, on est juste allé là-bas, on a pleuré et on est reparti. And then they decided to make it a long movie. So and then at that time I wasn't there, so they didn't call me. Et ensuite le projet est devenu un projet de long métrage, et donc mais à ce moment-là moi je n'étais plus là, je n'étais pas en Iran ou à Téhéran, et donc ils n'ont pas appelé. And when they called me, they said that Mr. Kiarostami is so happy with your 3 minutes, and that's it. It's okay. Quand finalement ils l'ont appelé, lui ont dit que Abbas Kiarostami était tout à fait ravi de ce qu'elle avait fait pendant les 3 minutes qu'elle avait déjà interprétées, et donc ça suffisait comme ça. But my feeling, because Mr. Kiarostami, most of the best directors in Iran, they don't work with actors. They don't work with actresses. They work with non-actors. So it was very exciting to be in front, seeing him, and you know that you're working for his movie. It was so exciting for all of us. C'était très passionnant et excitant parce que Kiarostami, comme beaucoup des plus grands cinéastes iraniens, habituellement ne travaille pas avec des acteurs professionnels, mais avec des non-professionnels. Et donc, pour shifter, elle le dit d'une manière plus collective, pour nous, les actrices et actrices professionnelles en l'occurrence, c'était passionnant et excitant d'être face à un cinéaste tel que lui. Voilà. Est-ce qu'il y a tout de suite des réactions ou des questions parmi vous, dans la salle? J'ai pas vu. While you were shooting the movie, were you actually watching the part from the Shirin Khosrow part, or you were watching something else? Je résume. Qu'est-ce que vous regardiez pendant le film? At our time, that it was the short movie, it was Gone with the Wind. and I asked Mr. Kiarostami to put it on pause because it wasn't giving any feeling to me. Donc, au moment où le shifter a été filmé, ce qui était montré était Autant d'encore de vent. Mais elle a demandé à Abbas Kiarostami de le mettre sur pause parce que ça ne lui inspirait aucune émotion particulière de regarder le film. So we were just watching somewhere and we were just crying at our time. But then I don't know what they did. I know that they decided to put the story of Khosrow Shirin after the movie. So Khosrow Shirin wasn't there. Ce n'est que bien plus tard qu'il a été décidé que ces dames et jeunes femmes sont supposées regarder seraient Khosrow et Shirin. Et je complète, puisque nous avons fait ici une conversation avec Abbas Kiarostami mercredi soir, où le même type de question lui a été posée, où il a donné d'autres éléments de réponse. La plupart des actrices que nous avons vues ne regardaient à rien. Il n'y avait même pas autant d'emporte-le-vent, il y avait un mur blanc. Et le film a été, ce que vous venez de voir, a été réalisé en demandant à des comédiennes de jouer leur émotion ou de manifester leur émotion, de ressentir et, de manière visible des choses profondes en elles, sans
objets à regarder. Il se trouve, j'ai eu la chance, le privilège à Téhéran de voir une autre version courte, à l'époque c'était un court-métrage, où la bande-son était la bande-son du Roméo et Juliette de Zeffirelli. Et où, évidemment, ça marchait aussi, sauf qu'elle pleurait à la mort, à la fausse mort de Roméo, à la mort de Juliette, à la mort de Roméo, etc. Et que tout ça fonctionnait également très bien, et que donc, juste pour être clair, il n'y a jamais eu d'image de Rosro et Shirin. Aucune image de Rosro et Shirin n'a été tournée. Il n'y a que la bande-son. Alors le texte, c'est une bonne question, mais différente. Peut-être tu peux dire ce que c'est, l'histoire de Rosro et Shirin. C'est un grand livre. It's a very interesting thing that he, Mr. Kiarostami, chose this story, because this story is a story that at the time of the king of that time, which was Sultan Mahmud Ghaznavi, when Nizami wrote this this book, the king wasn't very happy about that. So they asked him to write another story, which is Layli o Majnun, which is closer to Islamic culture. But in Khosrow Shirin, you see it's more about Iran and about the and you see that Shirin is a character, and she decides she loves a man, and she decides to love a man and choose someone. And I think that that's... I'm not such a good translator. Donc, Khosrow et Shirin, c'est un grand poème épique et amoureux qui a été écrit par un écrivain et poète qui s'appelle Ghaznavi. C'est le roi. Non, Nezami. Voilà. Et l'ange. 12e siècle. Oui. Et qui. Et donc, je t'ai expliqué qu'à l'époque, ce texte n'avait pas plu au roi. Et que du coup, l'écrivain avait écrit un texte plus conforme à l'islam et à l'attente du pouvoir, parce que ce film-là, notamment à cause du personnage féminin de Shirin, et l'autre soir, Abbas Kiarostami soulignait que c'était une reine arménienne, et que très probablement, s'il avait choisi qu'elle soit arménienne, c'est parce que ça aurait été trop compliqué si ça avait été une iranienne et musulmane pour lui permettre d'avoir les comportements et la liberté et l'énergie qui est celle du personnage féminin central du film. Et c'est Rosro et Shirin, l'histoire de Rosro et Shirin, c'est une histoire immensément connue en Iran, qui fait partie du patrimoine culturel